السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعدنا مع درس جديد من دروس اللغة الفرنسية للسنة الثالثة ابتدائي من مرجع ميزابخونتساج فرنسي درس اليوم هو بعنوان كومون غياليزي اونافيس كيفية إنجاز ملصق حول تلوث الماء ماتيريال ا بريباري افيك تي كاماران. أدوات للتحضير مع زملائك Une grande feuille blanche, un crayon de couleur bleue claire, un style feutre noir, un tube de col, un de des objets, en plastique, de couleur plastique. Bouchon des bouchons de canit, des de des de des bouchons Gouleb, bout de sachet en plastique, crête à plastique, copeau de bois, raqa et morceau de tissu, Étapes Étape à suivre. Al marahil al muttaba. 1. Dessine une grosse goutte d'eau sur la grande feuille blanche. أرسم قطرة ماء كبيرة على الورقة الكبيرة البيضاء. دو كولوري جوت دو أون بلو كليغ. لون هذه القطرة بالأزرق الفاتح. 3. ديستين اون بوش إي دي دو. أرسم فما وعينين لهذه القطرة. أجوت لوي دي لاغم. أضيف لها moyen 4 colle les objets polluants. al cercle al elle mou oui sous des plastique colle les objets polluants. Bouchons, sous -dedettes. bois, dettes plastique tissu tau. autour de la goutte d'eau حول قطرة الماء. أوهود لا فوي في أعلى الورقة، اكري أون ماجيسكيل ليفراز سويفونت. اكتب بأحرف كبيرة الجمل التالية: L'eau est précieuse pour tous. الماء ثمين للكل. Il ne faut pas la polluer. يجب ألا نلوته. سيزيامون، برافو. Tu as fini. Ahsente, Je répète. Comment réaliser une affiche sur la pollution de l'eau. Matériel à préparer avec tes camarades. Une grande feuille blanche, crayon de couleur bleu clair, un stylo feutre noir, un tube de colle, des objets, bouchons en plastique, bouchons des canettes, bouts de sachets en plastique copeaux de bois, morceaux de tissu. Étape à suivre 1. Un, dessine une grosse goutte d'eau sur la grande feuille blanche. 2. Colorie cette goutte d'eau en bleu clair. 3. Dessine une bouche et des yeux à cette goutte d'eau. Ajoute-lui des larmes. 4. Colle les objets polluants, bouchons, bois, plastique, tissu etc autour de la goutte d'eau 5 en haut de la feuille écrit en majuscule les phrases suivantes l'eau est précieuse pour tous il ne faut pas la polluer 6 Bravo tu as fini nous passons à la rubrique je révise des sons dans chaque paire encadre la lettre qui fait changer le son du mot. Le père, hein, blanche, planche. La lettre qui fait changer le sens. c'est B et la lettre P, blanche, Abiad. planche, l'eau. Noir, voir. Regardez la lettre N et V. Ces deux lettres changent le sens de chaque mot. Noir. Asouad, voir nadar. Col, fol. Regardez les deux lettres C et F. Col, des sacs. Fol, Tube, cube. T et C. Regardez les deux lettres T et C. Tube, une bob. Cube, مكعب. Saché. Sachet, cachet. Les deux lettres « s » et « c » font changer le sens de chaque mot. « Sachet »,« sac »,« cachet »,« tabac ».« Grosse »,« brosse »,« grosse »,« brosse », la lettre « g » et la lettre « b ».« Grosse »,« d'âme » Au cabire ». Kavira, brosse, fourchette. Rubrique, je lis et je comprends. Question 1. Relis le dessin au titre qui lui correspond. Regardez à droite, il y a un dessin. Est-ce que ce dessin accepte comme titre A. Comment réaliser une affiche sur la pollution de l'eau B. Comment écrire une histoire sur le voyage d'une goutte Allez, réfléchissez. Le dessin accepte comme titre Comment réaliser une affiche sur la pollution de l'eau. Question 2. Lisez les phrases puis écris vrai ou faux. La phrase A. Il faut dessiner une petite goutte d'eau. Dans le texte, nous avons vu que il faut Dessiner une grande goutte d'eau. Donc cette phrase est fausse. Écrivez faux. La phrase B. Il faut coller les objets dans le dessin dans la goutte d'eau. Cette phrase est fausse. Donc j'écris faux parce qu'il faut coller les objets autour de la goutte d'eau. C'est pas dans la goutte d'eau. La phrase C. La goutte d'eau est contente. Regardez la goutte d'eau. Elle n'est pas contente. Elle est triste. Donc cette phrase est fausse. J'écris faux. Passons à la rubrique jolie ». et j'écris. Troisièmement, écris une phrase pour répondre aux questions. Pourquoi la goutte d'eau est-elle triste Pourquoi la goutte d'eau est-elle triste la goutte d'eau est triste car on la pollue avec beaucoup de déchets. La goutte d'eau est triste car on la pollue avec beaucoup de déchets. B. Que faut-il faire pour la rendre contente? Que faut-il faire pour la rendre contente? Ne pas la polluer et jeter les ordures dans les poubelles ne pas la polluer ne pas la polluer et jeter les ordures dans les poubelles ne pas la polluer et jeter les ordures dans les poubelles Quatrième complète les phrases complète les phrases la phrase a L'eau est... Regardez le texte est est précieuse pour tous. L'eau est précieuse pour tous. Phrase B. Il ne faut pas. Il ne faut pas la polluer. Il ne faut pas la polluer. La rubrique Julie et j'écris. 5. Écris les mots avec les syllabes données. Écris les mots avec les syllabes données. Bo, la, chan, sa, tic, ché. Regardez la première image. C'est un. C'est un sachet. Sachet. Un sachet. Que représente la deuxième image? La deuxième image représente des bouchons. Des bouchons. La troisième image représente quoi La troisième image représente du plastique. Plastique. Du plastique. Sixièmement. Qu'est-ce qui a le même sens que la phrase du texte La phrase du texte est réaliser une affiche. Cette phrase est dans le titre réaliser une affiche. Est-ce que cette phrase a le même sens que peindre une affiche Non. Crier une affiche oui, il faut cocher cette phrase. Faire une affiche. Oui, cette phrase a le même sens que réaliser une affiche. Donc, je coche les deux phrases créer une affiche et faire une affiche. Septièmement, recopie les mots d'objet polluant cités dans le texte page 150. Recopie les mots d'objet polyon cités dans le texte. Page 150. Dans cette liste, il y a euh, des, des objets polluants et des objets qui ne polluent pas l'eau. Vos champs en plastique, bijoux, vos champs de canettes, bouteilles en plastique, puis bout de sachet en plastique, copeaux de bois, corde morceau de tissu donc les objets polluants sont bouchons en plastique bouchons de canette bouteilles en plastique bout de sachet en plastique copeaux de bois morceau de tissu donc je recopie toutes les tous les mots sauf bijou puis corde huitième mot complète la phrase avec le mot outil qui convient autour et en haut autour et en haut phrase a regarde le ciel est gris regarde en haut regarde en haut le ciel est gris Phrase B. Les mots sont. Les mots sont autour de la fermière. Les mots sont autour de la fermière. À partir de cette question, nous retenons les mots en haut, autour. Par exemple, place cette peinture en haut du mur. Place cette peinture en haut du mur. ضع هذه autour de la les objets autour de la goutte d'eau. colle les objets autour de la goutte d'eau. Coller les objets autour de la on les phrases la L'eau est précieuse pour tous. L'eau est précieuse pour tous. Elle met au terme pour Il ne faut pas la polluer avec les déchets. Il ne faut pas la polluer avec les déchets. Il faut que nous avec les déchets. La page 152. Je produis. Mets ces si mots en ordre pour former une phrase. Il هذه les Le à la A. L'eau. Plante. des, Indispensable. Et la vie. La phrase est ⁇ L'eau est indispensable à la vie des plantes. ⁇ L'eau est indispensable à la vie des plantes. Question numéro 2. Construis deux phrases comme dans le modèle suivant. Je ramasse les objets polluants comme le plastique. Le bois et le tissu. Je ramasse les objets polluants comme le plastique, le bois et le tissu. Donc, je vais vous faire un jumelin pour vous faire un Je vais vous faire comme mitla Je ramasse les objets polluants. Je vais vous faire comme le plastique. Rachab ou Par exemple, mon père achète des légumes comme euh, les carottes et le concombre. Par exemple. Une autre phrase. Je ne jette pas les ordures dans l'eau comme les sachets et les en plastique je ne jette pas les ordures dans l'eau comme les sachets ils en plastique maintenant la dictée le premier mot le plastique le plastique le bois le bois les sachets Je ne dois pas salir la plage. Je ne dois pas salir la plage avec des ordures. Avec des ordures.